Yo tout le monde, on se retrouve pour faire le point. En effet, hier est sortie la Bungie Weekly Update de la semaine et elle parle, vous vous en doutez, essentiellement du dernier patch 2.0 qui date du 8 septembre. Alors on y apprend pas mal de choses, notamment que l'édition collector numérique serait accessible pour certains joueurs en avance, ce qui ne devait pas être prévu bien évidemment. Et ce qui explique pourquoi vous ne débloquez pas tous le fameux pack Suros ou les nouvelles danses, puisque ce n'était pas prévu qu'on les débloque maintenant, alors que même si vous ayez précommandé, tout devrait normalement être débloqué à partir du 15 septembre. Donc si vous croisez des personnes à la tour ou dans vos contacts qui possèdent déjà ces items, sachez simplement qu'il s'agit d'un petit bug. Il y a également d'autres bugs qui ont été relevés, comme par exemple quelques bugs au niveau des quêtes qu'on nous demande de réaliser à l'avant-garde. Certaines ne lâcheraient pas le loot attendu et ils courent sur Bungie.net, notamment sur ses forums. Une rumeur comme quoi ces loots ne seraient plus reloutables après le 15 septembre, donc un conseil, il est bien plus prudent d'attendre le 15 pour exécuter les quêtes, d'autant plus que cela va permettre d'XP votre personnage et de monter les rangs de lumière, ce qui n'est pas possible actuellement. Une autre petite info, une quête sera débloquée quand vous passerez le rang 25 de n'importe quelle faction, mais la récompense de cette dernière ne sera accessible encore une fois qu'à partir du 15 septembre. Soyez patients là encore. Et enfin, petit focus sur de nouveaux loots qui ont été ajoutés récemment au store de Bungie.net. Donc vous avez cette série de t-shirts et cette peluche trop chou. D'ailleurs, à ce sujet, il y a mon anniversaire qui arrive très prochainement. Bon, enfin moi, je dis ça comme ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Pour les infos de la semaine, je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !